j'ai une moustache. Attendez, attendez, je vous explique un peu. J'ai fait un pari sur Twitch avec les viewers que, en gros, si je perdais une partie de Among Us, je devais me faire une moustache pendant une vidéo. Du coup, voici ma moustache, ou plutôt mon petit duvet d'adolescent. Mais soyons honnêtes, les potes, ma moustache, c'est n'importe quoi. En vrai, je sais pas si ça me va. Est-ce que vous pensez que ça me donne un petit flow, la moustache? Genre, en fait, je trouve ça bizarre sur moi. Mais d'un autre côté, on sent que là, tu vois, il y a un petit truc, tu vois, un petit truc de pizzaïolo. Donc, ouais, tout le monde, c'est Rayton. J'espère que vous allez bien. Les potes, j'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que vous êtes prêts parce que aujourd'hui, c'est une journée détente. C'est une journée calme. C'est une journée paisible sur le lac de la vie. Aujourd'hui, on va réagir à quelques vidéos satisfaisantes parce que vous me l'avez beaucoup redemandé. La dernière vidéo, vous avez tout explosé. Vous avez explosé les abonnements. Vous êtes beaucoup à avoir rejoint la chaîne à ce moment-là. Vous avez explosé les pouces bleus. Et du coup, ça fait énormément plaisir parce que, genre, c'est un type de vidéo que je me disais que ça plaît pas beaucoup aux gens. Mais apparemment, vous, vous kiffez de ouf. Donc, je vous remercie du fond du cœur à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui ont commenté, partagé. En vrai, actuellement, genre, la chaîne elle grimpe super vite et vraiment, je peux que vous remercier du coup de suivre le contenu. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui kiffent le contenu. Et maintenant que je vous ai bien remercié, les BG, on va commencer la vidéo. On va voir si dans cette vidéo là vous défoncerez le record de plus de la dernière vidéo, mais je pense pas, il est à 25 000, vous le défoncerez pas. On sait jamais. On va commencer avec un nouveau type de vidéo parce que, hey les gars, attendez, il faut se renouveler un peu. Là c'est une vidéo réaction et je parle de renouvellement, on en parle ou pas? Là c'est une vidéo, là en gros c'est des magnets, donc c'est des petits aimants, un peu comme les magnétifs, enfin je sais pas si vous avez ça quand c'était petit. C'est des aimants qui vont s'accrocher l'un vers l'autre et en fait ça a donné des bruits et des sons super satisfaisants. Ouais, c'est un peu chelou, hein. Il y a 45 000 boules. En vrai, si t'as 45 000 boules, c'est quand même que t'as une grave maladie, mais il a mis 45 000 boules et il a fait ça. Pourquoi les gens regardent plus la télé? Parce qu'à la télé, il n'y a pas 45 000 boules. Oh, et là, ça part en ASMR. boules. Putain, mais on dirait qu'il y en a beaucoup moins que dans l'autre. Avouez, ça a l'air satisfaisant. J'ai trop envie d'en acheter. Pourquoi il a fait ça? Tout allait bien, j'étais satisfait, et là le gars il a tapé un poing sur la table. Il devait être énervé, il devait lui manquer quelques boules. Il devait avoir les boules. Abonnez-vous. Bon, après je pense que tout le reste de la vidéo ça va être un peu tout le temps la même chose. Ah, c'est satisfaisant! Ah, je suis satisfait! C'est si rapide, on dirait que ça se téléporte, on dirait qu'il y a un cut dans l'image. C'est trop bizarre, on a du stop motion. Mais c'est quoi ça? Mais non, mais il est obligé de faire comme ça, sinon après ça... Ah ouais... Ah ça par contre c'est un peu bizarre. Attendez, mais j'ai cliqué parce que sur la miniature, il y avait un truc de ouf. Ah voilà, c'est ça. Donc en gros ça c'est un méga gros aimant. C'est un méga gros aimant qui absorbe deux fois plus le côté aimant. C'est un magnéti. Putain, diamant, genre c'est la grippe, on dirait Venom, tu sais, je dirais qu'il le prend et tout. Soit l'un des nôtres. Oh. C'est vraiment stylé en vrai. Attends, c'est gros aimant contre gros aimant plus petit. Alors là, les potes, je kiffe. Alors là, c'est mon kiff absolu, c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. C'est trop bien. Attends, petit aimant vs moyen aimant. Mais c'est incroyable. J'ai trop envie de savoir comment ça fonctionne un aimant. Mais regardez. T'as vu combien il y a deux qui sont en train de se tenir l'une sur l'autre? Eh, mais y'a que moi qui trouve ça incroyable ou... bon, bah, ok, je trouve cela être cool. Cela a trouvé ça cool, merci. Ok, là on va regarder une vidéo qui est en fait un mélange de trucs satisfaisants. Et dedans il paraît qu'il y a des gros bangers. Oh lui. C'est tellement satisfaisant, mais en vrai c'est dommage qu'il s'est pas montré quand c'était fini. Mais en fait vous imaginez quelqu'un genre juste achète le truc pour faire le spray et met des mauvaises lignes sur la route et du coup il crée plein d'accidents. Non mais je suis désolé les potes là. Vas-y, c'était trop... Oh, c'est trop mignon, le gars était super content. Les Asiatiques sont vraiment dans le futur, c'est toujours eux qui ont les trucs les plus satisfaisants. Frérot, tu peux m'expliquer pourquoi tu rases ton chat? Il n'y a pas de logique. Et c'est comme ça que Dieu créa le jacuzzi. En vrai c'est stylé, les flammes elles restent sous l'eau, ça je savais pas que c'était possible. Honnêtement c'est pas très satisfaisant mais c'est stylé. Quoi? Ah, il a mis un écran sur un écran. Et il galère ce qui reste une bulle. Oh, c'est beau. Oh, c'est... Waouh, c'est super beau ça par contre. On se croit dans là-haut. Ok, frisbee. Boomerang, c'est un boomerang. Eh, hey, montez pas. On a tous fait du boomerang et du frisbee. C'est trop compliqué de faire ce qu'il a fait. On croit tout c'est simple. Parce que c'est un petit bout de plastique taillé en V. Mais non. Oh, l'œuf. Oh, j'ai trop envie de le faire. Est-ce que je vais le faire? Oui! Attends, je suis chaud!
Je mets à poil à chauffer les potes. On va faire le truc de l'œuf, mais d'abord on va regarder encore quelques vidéos. Ok. Ah ouais, donc là les plantes genre elles fleurissent dans l'eau. Tue-le. Pas mal satisfaisant. Mais juste comment? Comment? Vous êtes pas des humains, vous êtes des magiciens, c'est pas possible. Octogone. Oh, je kiffe ce genre de truc. Celui-là, je vais pas le faire parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps, mais c'était stylé. Oh, ça se fait! Vous allez voir, c'est incroyable. Rien à foutre, je vous le remontre parce que c'est quand même incroyable. Regardez la fusion. En gros, je sais pas comment expliquer, c'est genre, cela des trucs techniques, mais il va sortir sa boule et elle va devenir une encore plus grosse boule. C'est trop beau! Je veux ça. Et ça frérot, je pense que personne le fait. Faut être très 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 confiant. Déjà que quand tu fais pas ça en général, on va pas se mentir, dans notre vie on a quasiment tous cassé au moins un verre. Genre d'ailleurs c'est proportionné hein, moi perso j'ai déjà cassé un verre. Tapez verre si vous avez déjà cassé un verre dans les commentaires. Et je parle pas de l'animal hein, enfin de l'insecte, je parle littéralement d'un verre, sinon vous êtes juste bizarre. Du coup là en vrai déjà qu'on a tous cassé un verre, si en plus on s'amuse à faire des tricks comme ça, c'est impossible. Carrément la meuf elle gère le feu. Attends, elle s'essuie au calme, elle fait d'autres activités. Mais attends, mais calme ta bulle par contre, hein. Elle va prendre contrôle de tout le monopole. Oh, c'est trop beau. J'ai pas compris, mais c'était absolument satisfaisant. Pas comme ma moustache. C'est quoi ça, mec? On est vraiment pas dans le même monde. Oh, le gars écrit l'arc-en-ciel, bon ça c'est pas très dur à faire en vrai. Faut juste un arrosoir et un arc-en-ciel, tout va bien. Quoi? Attends, moi j'arrive même pas à me faire un œuf. Il range son portefeuille, sa tasse de café, trois crayons dans son œuf. Comment tu ranges tout dans ton œuf? Je comprends pas. Je comprends pas là. Ah, c'est génial. Moi au début je pensais que c'était un petit bonhomme, là en gros il y avait ses bras et tout. Finalement en fait c'était un chat, trop stylé. Ah désolé gros hein, désolé que t'aies trop de flow. J'en ai marre de ces gens talentueux. Oh non, non s'il te plaît, les trucs de billes, j'ai un concept. Arrêtez. Quoi, mais il a un ascenseur. Les gars, on est dans quel monde? Non, c'est pas un pas. C'était incroyable. Les potes, j'ai un concept. Imaginez, j'achète masse objet. Attendez, regarde. Imaginez, j'achète... Oh, ça peut être trop cool. Imaginez, j'achète tous les circuits de billes comme ça. Genre, j'en achète, bon, ok, c'est pour les enfants, mais imaginez que j'en achète, je sais pas, genre 200. Tu vois, un truc comme ça. Et je crée le plus grand circuit de billes jamais fait. Est-ce que vous pensez que ce serait un super concept pour une vidéo? En vrai, dites-moi, par contre, là, je suis vraiment, vraiment chaud de le faire. Et après, genre, une fois que j'ai utilisé, parce que du coup, je l'utiliserai pas, je pense, après la vidéo. Après, je donne le jouet à des refuges qui ont besoin de ça pour des enfants pour se divertir. Mais j'ai trop envie d'utiliser juste pour une vidéo. Genre, créer le plus grand truc à billes du monde. Ce serait incroyable. Mais son truc en bois, il est incroyable. Vous imaginez, il y a une seule carte à la fin qui serait plantée. Le seum du mec. Non mais ce gars, il a vraiment pas le temps. Il a vraiment pas le temps, ce mec. C'est incroyable. Par contre, ça sent le brûler. Attendez, il faut que j'aille cuire mon œuf. Bon, si vous entendez du bruit dans le fond, c'est mon œuf qui est en train de cuire. Non mais à partir du moment où quand juste tu découpes, c'est satisfaisant. C'est-à-dire que toute ta vie est satisfaisante. C'est
c'est incroyable. Découpe-moi si tu veux, genre découpe mes doigts, mais continue, c'est trop bien. T'arrêtes jamais de découper. C'est une passion comme une autre. C'est de la peau ? Quoi ? Le gars, il fait une étoile sur de la peau. Ah non, c'est un flocon de neige. Bon, par contre, c'est un peu glauque. Je suis un peu perturbé, là, par contre. Ah, ça, c'est les assiettes, vous savez quand. Les assiettes et les verres, quand tu mets de l'eau chaude, ça fait des dessins. Là, sûr, c'est de l'eau chaude. Je pense que c'est ça. Pourquoi ça m'a fait rire ? Gros, c'est juste un œuf qui vole. Juste un œuf qui vole dans une vidéo de Rayton. C'est comme en normal dans une vidéo de Rayton. C'est beaucoup trop cool. Ça, c'est une bonne idée d'utiliser l'effet miroir en vidéo. Je sais, elle fait n'importe quoi, mais elle se dit, dans tous les cas, ça passe, c'est trop beau. Putain, les enfants, ils sont en kiff, hein. Ils voient une fontaine, ils sont saucés. Oh, dépêche, 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 petit, dépêche. Ah ouais, il s'est fait défoncer, hein. Il s'est pris un gros jet dans la gueule. Eh, avouez la lave, on dirait du miel. Bon, je pense pas que c'est le même goût, mais ça, je l'avais déjà vu. Ça, on l'avait tous vu, en vrai, dans la dernière vidéo. Oh, c'est trop beau. Trop stylé. Mais il a fait une feuille! Une feuille avec de la lave. Franchement, c'est le genre de contenu pour lequel je m'abonnerai à ma propre chaîne YouTube. J'adore ce genre de vidéos. Bon, les potes, maintenant on va passer à un truc de bonhomme. On va passer à la chaîne des bonhommes. En vrai, c'est une chaîne qui s'appelle Hydraulic Press Channel. C'est la meilleure chaîne pour l'hydraulique press. Et ils ont fait une vidéo. En gros, c'est le top 100 des meilleures presses hydrauliques. En gros, ça va aller super vite. Il y a que des trucs sympas. Mais attendez, par contre, il y a mon œuf là. Attendez, du coup, les gars, est-ce que ça a marché? Eh, s'il te plaît, j'ai envie de le manger l'œuf. Après, moi, j'ai faim. Il est midi, j'ai faim. Et en vrai, c'est pas dur en vrai. Je m'attendais à un truc trop difficile. Bon, moi, j'ai gagné un œuf. Bon, les gars, chez moi, c'est en feu actuellement parce que j'avais pas mis la hotte. Et du coup, là, actuellement, il y a de la fumée partout, mais ça se voit pas en vidéo. C'est parti. Mais c'est en quelle matière ça? Mais sérieusement, c'est en quelle matière? What? Moi, je préfère quand c'est mou. Trop bizarre ce que je dis. Je préfère quand c'est mou les presses hydrauliques. C'est quoi ça? Attends, est-ce que là vous pensez qu'il peut encore appuyer? Oh non, il l'a pas fait. Toi, regarde ton écran, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu trouves ça vraiment satisfaisant? Parce que moi là, je sais pas. Genre, je suis un peu mitigé. Oh, la balle! Il y a quoi dans une balle? Ah, juste de l'air. Il y avait rien. Oh. Il y en a vraiment des plus satisfaisantes que d'autres, hein. Oh, les bonbons! Bon, c'est un peu du gâchis de nourriture, par contre, j'espère qu'ils étaient périmés. En vrai, ça a juste fait de la gelée. Pourquoi ils ont un mini-bear? Pourquoi ils ont tout ce que nous on a en tout petit? Est-ce que vous pensez qu'ils vivent juste en ayant tout petit? C'est des minimalistes, ils ont tous les objets, mais en tout petit. Oh, une autre balle! Moi, je veux voir les balles en fait, je sais pas pourquoi. Oh, c'est horrible. Oh non, c'est qui lui? Pourquoi ils ont tué Titi? Oh non, ils ont tué Titi! Ah, il est même pas mort. Vas-y, Titi, c'est un mec solide. Ah non. Eh vas-y, les presses hydrauliques, ça part un peu en chouquette. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé les potes, n'hésitez pas à défoncer la barre de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rejoindre la communauté. C'est de plus en plus. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si le concept vous plaît, si vous trouvez ça marrant, partagez-le à vos potes. J'ai aussi Twitter, j'ai Instagram, j'ai tous les réseaux. Donc si tu veux me suivre sur n'importe quel réseau, tu peux. Tu as le pouvoir. À plus, mon c'était Rayton et ciao.